Et ok, et c'est le tout, c'est Rukalkos, on est parti pour notre rendez-vous maintenant hebdomadaire consacré à Super Mario Maker 2, les niveaux du monde entier. Et oui, c'est parti, hop, direct, rien d'autre à dire là-dessus, hein, à part jouer. Alors, donc comme d'habitude, les niveaux, toujours basiques, alors on m'en a pas donné... aujourd'hui, à part que j'ai fait quelques recherches. Souvenez-vous, il y avait un niveau que j'arrivais pas à afficher et justement j'ai passé la semaine, enfin surtout aujourd'hui, à trouver le passage dans lequel on m'avait envoyé justement le code nécessaire pour faire le niveau en question. Donc il se trouve que je m'étais trompé en fait dans deux des caractères que j'ai intervertis. Et salut Prozanagarioi. Est-ce que je me souviens de toi? Non, le nom me dit rien du tout. Désolé. Comme quoi, j'ai pas de souvenir. Rafraîchis-moi la mémoire un petit peu, s'il te plaît. De moi et les noms, ça n'a jamais été mon fort. Sauf ceux qui viennent sur Clicker Hero, Tanki Yanis. Ah oui, oui, oh, ça date ça. Ouh là là, revenir d'ailleurs sur Clicker Heroes, je veux juste savoir justement, parce que j'y joue encore, hein, ça se voit pas, mais j'y joue encore à Clicker Heroes. Est-ce que tu fais toujours partie ou pas? Non, non, non. Non, non, je crois que t'as bougé, t'étais le meilleur. Il y a 2 ans. Ah oui, bah oui, je veux finir quand même les succès et après j'arrête. Mais il y a encore de la marge, hein. Eh oui. Alors, j'avais marqué CBF alors que c'était CFB en fait depuis le début. En espérant que cette fois ça fonctionne. Si ça se trouve, le type il a enlevé le niveau, donc du coup on n'y a plus accès. Et du coup, ben là encore, ça a peut-être pas marché. Alors, c'est un 0. J'avais voulu tenter avec 0 avec D, rappelez-vous aussi. Alors, le L et le F. Tac, tac. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est disponible? Oui! Ah bah, on va commencer, on va bien s'échauffer, c'est un speedrun. De Secoco for Wii. C'est américain. Ouais, quand même 25%, donc c'est jouable. Et on est sur à peu près 19 secondes, donc à peu près 20 secondes. Ok, ça marche. Et poti! 20 secondes, Seamless Sky Ascent version 2.0, Coco for Wii. Oula, j'ai rien compris. Et je crois que j'ai déjà vu ce style-là en tout cas. J'ai perdu un peu de temps, j'ai peur que ça passe pas. Ah bah, je suis mort par le temps en plus. C'est assez simple. Ok, je dis pas que c'est assez simple. Sinon, je meurs comme un débile. Ça y est, ça commence. Je sais pas, j'étais petite bite, je voulais pas sauter assez haut. En plus, il y a les pièces qui te disent comment faire. Hein. Vivre, hein. C'est pas sorcier pourtant. Voilà. C'est pas dur. Puis les pièces et c'est GG. Ah, j'ai mis 1 centième en trop. C'est pas grave. Donc encore désolé pour la personne qui voulait voir son niveau, mais ça y est, ça a été fait. Avec, je crois, 2 semaines de retard. Enfin bref, c'est le seul niveau que je n'avais pas encore fait qu'on m'avait proposé. Donc du coup, je vais pouvoir m'occuper des niveaux du monde en attendant qu'il y a des gens qui viennent me voir pour me filer des niveaux comme d'habitude. Ça arrive, hein. Ah bah, on va faire que du speedrun aujourd'hui, c'est bien, c'est cool. Pas le deuxième en tout cas parce que j'ai déjà fait, mais bon. Voilà, bon là, je commence à avoir fait tellement de niveaux mondiaux que on commence à voir les petits drapeaux là. On va pas le faire. Oh pardon, speedrun, choose your way. 50...
secondes. De New York Simon, un Allemand. Oh. You. Oui, oui. Je sais pas où je vais, il y a plein de combinaisons. Alors voilà comment on meurt, ma vie. Voilà. Bon, ça c'était la partie du milieu. On n'y retournera pas. Donc, par en bas, ça a l'air beaucoup plus... moins prise de tête en tout cas. Pensez qu'on pouvait descendre encore. Bon. Ça c'était la partie en bas. Voilà, là c'est... Ah, ça remonte ici en plus. Culé ! Il m'a trollé ! C'est par les milieux, on va refaire le pow. Enfin, le pay plutôt. Il est long quand même comme niveau. Ça c'est pas fini, après il y a un saut mural et tout. Je l'ai foiré complètement. Ah bah c'était l'arrivée, très bien. Super. C'est plus rapide. C'est trop long. Ça passe quand même. Ah, c'était plus simple comme ça. Merci beaucoup. Donc c'était 50 combinaisons de speedrun partout. C'était le bordel, mais voilà. Ouf. Je veux pas battre le record du monde, je m'en bats les steaks. Ok, niveau suivant, celui-là j'ai déjà fait. Le keep run, alors Y plus truc. Donc ça veut dire que on ne fait que courir et c'est tout. Voilà. D'un japonais. Plutôt d'une japonaise, je ne sais pas. Du Japon en tout cas. Il faut aussi ramasser toutes les pièces, très bien. Mais bon, ça a l'air d'être que du Y plus droite. On va voir ce que ça va donner. Hein. Oh le bordel! Ou ça faut le faire aussi. Je ne comprends rien du tout. J'ai bien eu mes 600 pièces. J'ai 1 million de clés. C'est le bordel. C'était la confusion totale.
Je voyais des fantômes, je sais pas comment je suis passé au travers. Bah, faut dire que c'est calculé pour que tant que tu cours, tout va bien. Tu t'arrêtes un microseconde, c'est fini. Ok. Wow, alors là. Vexomi Noah Platform. Johnny SSBU. Petit taux là. 96%. C'est court mais bon et c'est thématique. Mais j'aime bien. Ah, c'est Vexom, pas Venom. Pardon. Genre de niveau là! Un petit skill et c'est bon. C'est pour ça que tout le monde adore, c'est populaire. Que c'est pas trop dur. Oh là là. Ouais, on est sur de l'entraînement sur le hardcore, c'est bien. C'est pas le bon cadre. Ah, faut ressauter là-haut, très bien. Il faut ressauter encore là-haut, non, c'est bon. Il y a peut-être un secret là-haut. First try! Rapide, efficace, tranquille. Un niveau mondial. Mais qui c'est en mode vénère. Mis facilement 10 secondes, 15. Ouais, à peu près 15 secondes. Hein. Parce que je ne ferai pas, hein. Je suis pas un hardcore. Hein. Pas encore. Où est-ce qu'il va m'attendre après? Pas insensé, celui-là qui m'intéresse. WA-1 Great Crown World. Joshua. Je vois que j'arriverai pas à écrire la semaine prochaine quand je devrais faire la description. Bon, américain, américaine, au choix. Ouais, j'ai une pièce. Mais je suis... Voilà, tellement habitué à des thématiques plus ou moins débiles de speedrun, etc. ou d'auto, que ça y est, un niveau classique, j'y arrive pas. Il m'en veut en plus. Ouais. J'ai réussi à récupérer. Un canon. Et le bordel. Salut GD Balls. Quelque chose. Ouah, 30 pièces, trop bien. Il a mis pas mal de petits secrets qu'on a dans les niveaux classiques, c'est sympa. Quand il est très généreux niveau pièces. Ça ne me sert strictement à rien du tout. Ça, très bien. Je viens de récupérer les autres pièces rouges quand même parce que ça sent le super secret de la mort qui tue. Une magnifique petite guêpe. Rico! La touche.
Ah là, là je l'ai perdu, que je les récupère, trop bien. Ici. C'est quoi le secret? Oh, il n'y a pas que 50 pièces. Wouh! New Super Mario Bros 2 avec plein de pièces partout! La flopée de pièces qui ne me sert à rien. Ni avec un Mario, tout ce qui est plus normal. Tout va bien. Super Mario. Nickel. Ça va super, j'espère que tu vas bien. Ah ouais, elle a rien à péter, elle a foncé vers la fin, 20 secondes, voilà, profite pas du niveau. Anto, profitez des levels. Ouh, on a des trucs sympas, dis donc, dans le monde aujourd'hui. Eh ben, si tout va bien, tout va bien alors. Timing Game 2. Japonais. C'est une paille, je pourrais l'écrire en plus. Timing. Alors, les niveaux de timing, c'est les niveaux où dès que je vais franchir cette porte, si j'ai pas le bon réflexe, c'est mort. Voilà. Comme ça. Ok, le timing c'est pas tout de suite, c'est d'attendre un peu. Ouais. Ah d'accord. Ouah, trop bien. C'est bien fait ça. C'est pas du timing, c'est final. Timing pour 3 vies! Avec des love, thanks! You're welcome! Il y en a eu un, il a eu de sacrés réflexes en 15 secondes! Hein. Oh le record! Incroyable! Donc pas de niveau suivant! Alors, Video Game Music Quiz! Ah d'accord, alors là je suis pas doué pour ce genre de truc. Je prie que ce soit des musiques de jeux vidéo, notamment de Nintendo, comme ça, avec tout ce que je connais en musique grâce à Super Smash Bros, c'est jouable, mais sinon, c'est la merde. Et sympa, français 7ème quand même. Aelia 19, bravo à toi. Donc, classement. C'est un Mario classique, généralement, ouais, c'est dans les Mario classiques qu'on a les. Ah, on a un début de truc. On a pas bien entendu, hein, ça a l'air d'être du Zelda. Hein. Tu fais avec. Ah, mais je connais! Ah putain, je suis en train de faire les mêmes niveaux que CB Games. Ah, c'est pas de chance. Bon, donc à gauche, si j'ai bien compris, ça c'est du Splatoon. Et à droite, c'est Zelda, c'est la Triforce. Bon, évidemment, j'ai dit Zelda, j'ai tout de suite reconnu. Love. On peut finir dans l'eau, tiens. Ah, c'est pas le même genre de quiz. Alors, on a un œuf de Yoshi ou Super Smash. Ah bah, c'est dans les deux. C'est pas de chance. Mais je pense qu'il pense plus à la version originale. Donc, ça va être un checkpoint. Ah,
Ah, ça pouvait être Mario. Hein. Ou un DK pour Donkey Kong. Ou... Alors, je vois pas du tout ça. Alors, ça va être compliqué si j'ai une musique qui va avec ce jeu en question. C'est pas Metroid, ça, c'est sûr. Il arrive bien à Metroid. C'est plutôt... Merde, c'est avec Fox, je crois. Je suis pas sûr, tu vois, j'arrive même pas à reconnaître. Heureusement, je sais que c'est Mario versus Donkey Kong. Hein. Non, c'est DK. Donkey Kong tout court. C'est Pac-Man. C'est Pac-Man ? Non, c'est pas Pac-Man. Ah, l'autre, il cherche... Ah. Je n'ai même pas le jeu. Oh là là. Ah, on a eu un début de musique que j'ai pas bien entendu. Alors on a un Mario, on a un Splatoon, on a un Super Smash. Et c'est... Bah c'est le dernier Smash. Faut que je m'achète un jour. Si, c'est Pac-Man. Oh, c'est bien fait, franchement. Pokémon ou Splatoon. On va dire le Splatoon 2, hein, parce que dans le 1, c'est la même. Hein, les deux musiques, de toute façon, c'est... C'est le boss final de Splatoon. Bloom. Quel jeu, Bloom. Bloom. FF3. Bloom. Ah putain, avec les trucs d'origine. Non. Si, c'est exactement ça. C'est pas Pac-Man. Ah si, c'est Pac-Man. Ah pardon. Oh, c'est mal fait. Bon, c'est Pac-Man à gauche. Avec les balles originaux, quoi. Ah, c'est un Mario, hein, mais c'est pas c'est une sorte d'hors série, c'est l'apparition de Daisy. C'est pour ça que dans le film, on a Daisy, on n'a pas Peach. Blum. Ah, ouais, si t'as pas la fleur, c'est mort. Énorme, énorme le truc. Ah, c'était énorme la fin, j'adore. Des souvenirs, hein, ce jeu, des souvenirs. Je n'ai jamais eu ce jeu. J'ai joué avec... Alors au début, il y avait quelqu'un de la famille qui l'avait, mais après, j'avais pu avoir où elle avait vendu le jeu. Donc du coup, après, c'est un ami qui m'a... que je jouais avec. Après, c'est un autre ami. C'est pendant un voyage scolaire avec un autre ami que j'ai pu enfin finir le jeu. Vous avez vu le truc ? Il m'a fallu avoir 4-5 jeux, enfin 4 et 10, enfin 4 cartouches différentes pour finir le jeu. Mais j'ai jamais eu le jeu. Ah ouais, que de souvenirs. Alors, le suivant, Piranha Plant Panic, 20 secondes. Oula, c'est un speedrun ça. Un speedrun. Vexom, encore. Je crois que c'est. On l'a vu. Enfin, c'est peut-être pas le même mec que Vexom. Hein. Il y a peut-être plein qui s'appelle Vexom. Un Allemand qui s'appelle Vexom. Contre la montre, court mais bon. Donc c'est un speedrun. C'est parti. Ah, c'est un speedrun contre des plantes. Hein. Plantes versus zombies. J'ai pas déjà fait ça. Non, je crois pas. J'aurais dû regarder. Il va falloir que je fasse attention avec les drapeaux. Je crois que j'ai pas fait celui-là. Coucou Webster. Merde. J'ai dit coucou, voilà, j'ai sursauté en mode coucou. Et... Débile. Suis les pièces, c'est un speedrun où tu suis les pièces. Il est gentil le mec. J'aimais bien la musique Mario 64. Il me reste 0 secondes. Merci. Love. Et moi aussi je t'adore. Genre c'est de ma faute. La mauvaise foi de ce streamer.
Ah, y a aucune limite. J'apprendrai à me connaître comme ça. Toujours. Surtout le mercredi. La mauvaise foi, elle est totale le mercredi. La preuve, je ne fais absolument pas attention au chat le mercredi. Je dois battre le record de ce speedrun. Non, je ne battrai pas le record. Essayez de le finir, ça sera déjà pas mal. Je ne peux pas battre le record du speedrun. Je ne peux pas. C'est impossible, monsieur. Oula, obsolète. D'accord. On a un record obsolète. Le Wild Jump Forest, ça a dû être en mise à jour, ça veut dire. Ah! Je crois que c'est la première fois que j'ai quelqu'un des Pays-Bas. Pays-Bas. Hein. Et j'ai oublié le titre, excusez-moi. Ah! Fallait faire un jump ici. J'étais concentré sur ce que je regardais, alors que j'aurais pu regarder à ma droite pour me spoiler la suite. Alors là, il y a eu ce qu'on appelle un freeze. Pas de l'émulateur, mais. Ah, d'accord, putain, le con. Ok. Ah, c'est de la précision maintenant. Erdouille. Ça va être chiant. Putain, je me laisse glisser, c'est nul. Ah, laissez-moi pas toucher. J'ai le choix entre la noyade ou les pics. Mais quand même, je meurs trop souvent avec les pics, je me suis dit, tiens, ça serait original de mourir noyé. Bordel de chiasse. J'étais bien là en plus. J'aime le wall jump. Ah, je pensais que je passais pas. Après, il y a de la pré... Oh, putain. Ah, je veux vraiment pas être à la place. J'ai vu la fin, au moment où je suis mort. J'ai vu plein de gars qui sont morts, dis donc. Oh, putain. Ah, ça doit être dur, la précision finale. Hein. Plus dur que ça, hein. Exactement. Ah, ça, c'est cool. Peut-être pas trop. Et quoi, ce merdier? Ah, d'accord. Ah, j'ai rien dit. Non, ça va, il y a un checkpoint. Je pensais que je me disais, à chaque fois que tu te plantes, tu te retrouveras là. Je sais pas comment j'ai fait pour me retrouver quand même ici. Le suicide, c'est bien aussi. La plaque a eu l'idée, en tout cas. Oh, hop, on gagne une vie. Beaucoup ont gagné une vie, mais c'est pas grave. Pour les niveaux de... des 100 Mario. Non ! Le suicide, c'est bien. En tout cas, dans ce jeu, hein, pas en vrai. Ne faites pas ça en vrai. Hein. Dans le jeu, vous avez le droit de vous suicider autant de fois que vous voulez. Dans la réalité, vous pouvez vous suicider qu'une fois et après vous avez. Ben, juste mort. Même pas con, hein, juste mort. Je ne recommande pas le suicide dans la vraie vie. Précision! Oh! Hitbox de merde! Ouais, je m'en fous des pièces.
Ouh là là. C'est la putain de glace en fait. D'accord, prendre l'élan. J'ai pris trop d'élan. On comprend pourquoi c'est dans les niveaux mondiaux, parce qu'en fait il a mis des checkpoints très bien placés pour les passages délicats, comme celui-là. Et la pile poil. Voilà. Bon. Au revoir. Bon, j'ai mis 2 minutes. Ah, 2 minutes 30. Je ne battrai pas le record obsolète. Oula, Super Mario Maker 2 thème Keep Run. Donc ça va être de... en musique. J'ai bien compris. Un japonais. C'est parti. En plus, il le dit. Lol, je savais pas que ça le faisait ça. J'allais dire un truc après, mais il y a le coup de la clé et tout qui m'a surpris. Sinon, c'est cool. Hein, c'est tout ce qu'on veut dans un keep run. Mais pourquoi avoir choisi le thème de Super Mario Maker 2? Pourquoi avoir choisi le thème du jeu auquel on l'entend dès qu'on lance le jeu? Il pouvait choisir n'importe quel jeu, n'importe quelle musique, il a choisi celui de ce jeu-là. Donc il a toute la créativité du level d'un keep run, sauf la musique. Il avait pas, il s'est dit tiens, je vais faire celui du jeu. Choquant. Mais sinon ça y était quand même. Hein. On l'entendait bien, hein. Il l'a bien fait. Mais là, il y a aussi autre chose que je comprends pas, c'est la toux. Il dit Y plus. Bon après moi j'utilise la touche B pour courir. Mais voilà, c'est marqué keep run, tu fais que courir. Comment ça se fait qu'il y a 67% de réussite? Et donc, speak English. C'est la seule explication. Encore un Zenmai Alea Rama Platform de Johnny SSBU. Mais c'est toujours les mêmes! Exactement le même level. Il n'est pas déjà fait. Il est passé 11e. Attendez. Je vais vérifier un truc parce que là il y a un truc qui cloche à mes niveaux. Et si je l'ai fait? Ah non, je l'ai pas fait. Ah, c'est quoi ce que j'ai fait tout à l'heure? C'était Vexum. Et là c'en est un autre. Et là c'en est un autre encore en dessous après. Le mec, il adore faire ce genre de niveau, quoi. Mais c'est quoi, ça prête la confusion. Regardez, j'ai fait 5 fois le même niveau, c'est trop bien. J'ai juste changé le nom. Mais sans deck, c'est le même niveau. C'est le même putain de niveau. On est d'accord. Et je meurs plus souvent dans ce niveau-là, donc il est un peu plus dur. Je n'ai absolument pas compris. C'est le trip du mec, il fait le même niveau. Non, ça ici par contre c'est différent. Il a mis de la difficulté dans les niveaux suivants, c'est trop bien. Putain, il y a de la précision ici. Je suis pas le seul à mourir ici, c'est un passage délicat. Non, après que tu l'as passé, t'as peut-être droit à un tuyau. Ri, ne parle pas, concentre-toi, ça va commencer à être compliqué là. C'est parti. Un Mario Bros 3 en plus, maîtrisé. C'est...
Arrêtez. Ah bah, bah si, c'est le même niveau avec des trucs différents. Là, voilà. Ah, la plateforme est plus petite. Ah si, si. Ouais, ouais, c'est le même niveau qui met à jour régulièrement, en fait. C'est... Voilà, j'ai fait de la merde. Super. De se retaper les mêmes levels avec des plateformes un peu différentes. Juste une précision de saut. Faut pas avoir peur des pics. Là, on se laisse tomber. Ah, il a changé la méthode. D'habitude, c'est une scie qui descend. Là, il était sur les côtés. Super. Et on va revoir encore un autre niveau tout à l'heure. En 24 secondes, le mec. Mais avant, on a Evolution of Piano Music. One. Donc, c'est encore Aelia. Toujours les mêmes qui sont au top. Faut dire, ils sont célèbres. Et ils font des trucs vachement stylés quand même. Il y avait un clé de sol. 1902. C'est pas sûr. Je connaissais pas parce que je m'attendais à un classique, en fait c'est peut-être un peu récent. Blum. Ça c'est moi. Je fais du piano chez Blum. Je teste les accords. Ouais. Moi j'avais pas bien vu les années, j'avais juste vu le clé de sol et après j'avais vu qu'il avait mis les années. Donc c'était évidemment l'évolution des musiques sur piano. Depuis que le piano a existé. C'est pas un instrument vieux, hein. Un des plus récents, quand même. C'est-à-dire que c'est un instrument complexe. Les plus complexes sont généralement les plus jeunes. Allez, on va se retaper un putain de niveau. C'est trop bien. Encore le même, avec des plateformes plus petites, avec des scies plus près. Hein. C'est... On va faire un super Meat Boy. Incroyable. Et là, ouais, il y a plus de précision là. Il y en a un qui est mort là, ça veut dire qu'il y a un truc après. Donc on s'est entraîné sur deux niveaux et maintenant on va s'entraîner sur des niveaux vraiment très 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 hardcore. Oula. Il a changé les règles. Ça y était pas. Voilà, on est sur de la précision à mort. Toujours plus hardcore. On va avoir notre petit passage où il s'est calmé. Non, on n'a pas notre petit passage. Oh mon dieu, c'est pas la sortie! On s'y attendait pas! Ah oh, bon. Mais c'est tombé, mais. C'est fini! Y'en a plus, c'est bon. Voilà, j'ai fait tous tes levels. Chompix Speedrun. D'accumu. Faut être poursuivi par des chompes, c'est ça? Non, on va être attaqué par des chompes de partout. Faut juste voilà, on suit les pièces. Gaffe quand même. Enragé. Il n'y avait pas les pièces. Ça m'a perturbé.
Tout à l'heure, il y avait des pièces qui disaient ne saute pas. En plus, on me nargue, je suis à 99 pièces. Et soit j'en ai raté une, soit il en a mis exprès. Bon, c'était Champion Speedrun, fallait suivre les pièces. Des niveaux qui sont récents en plus, hein. 10-10. Bon, là, septembre. Ferme ta gueule, Ori. Récent, mais pas récent non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Fourin Vert Music. Donc, de la musique de Kelena Gea. Désolé, hein, je maîtrise pas les noms japonais. Et là, il est coréen depuis le début. Merde. Stop. Il ne bouge pas. Merde. Eh ben. La petite musique japonaise et le salut et le follow de The Pascali. Merci à toi, ça fait plaisir. J'ai attendu la fin de cette magnifique musique japonaise pour te dire bonjour et merci pour le follow. Alors, 2 secondes. J'ai mon tympan qui siffle, je sais pas pourquoi. Enfin bref, alors 20 secondes, Collapsing, Decay. La musique japonaise, après un musique japonais, t'as les oreilles qui sifflent tellement ça te nique les tympans. Non, je déconne. Ça a été sévère là, je sais pas pourquoi. Alors, ouais, là j'arrive à m'entendre l'oreille gauche, 1, 2, 1, 2, tout va bien. 20 secondes, Collapsing, Decay de Tino SMM. Mario Maker, Tino Super Mario Maker, japonais. C'est un allemand! Hein, Mario Bros 3. Ah, c'est un speedrun. Je l'ai raté, mais le jeu est sympa. Sympa le niveau. Ouh, je suis poursuivi par un tronc. Je suis poursuivi par un soleil. Je comprends que dalle. Ok, plateforme invisible. Ok, j'ai failli mourir. GG, rien compris. Je suivais les pièces quand soudain c'est parti en couille. Je n'ai plus rien compris à ce qui s'est passé. Même Mario s'est mis en position fétale. Ouais, petite bite hein, niveau du time. Il y a un départ canon à faire ou quoi? Enfin bref. Ah, un petit niveau du désert, ça c'est les pires. Vistel Temple Whistle. Tom Funk. D'Afrique du Nord. Non, du Canada. Ah, ça y est, je vais commencer à me moquer de drapeau, c'est pas bon ça. Oh là là. Ah, sur un niveau, tout ce qui est le plus banal classique. Donc, ce genre de niveau nécessite une attention particulière. Obligé d'attendre. Il a bien fait de ne pas mettre de fleurs parce que j'aurais pu tuer par accident et être bloqué dedans. Donc là pour l'instant tout va bien. Hein. Et sur. Aimer monter là-haut, je peux pas. Là on est vraiment sur augmentation de difficulté. Mais il est méchant! On a une augmentation de difficulté. Oh mon dieu!
Tu vas bien? Oula, je casse. C'est pas très grave. Juste faire gaffe. N'est qu'un champignon de merde, très bien. T'es caché. Ok, on ne se dépêche pas. On va avoir un nom. C'est un super champignon géant. Je sais bien foutu. Je sais très bien foutu. Oh mon dieu. Ah ouais, mais là ça devient hardcore, hein. Ça devient super hardcore. En fait, à chaque fois, mais ça finit par le genre de niveau qui augmente de difficulté à chaque fois. C'est la même chose, sauf qu'il y a un truc en plus. Là, ça commence tranquille. Ensuite, voyant que j'ai une grande plateforme, il a décidé de me réduire la plateforme. Ensuite, vu que j'ai l'air de m'amuser, il m'a mis un petit truc de merde. Je vais en profiter pour passer les deux trucs. Oh non, j'y étais presque. Et après, c'est quoi? C'est encore la même merde. Très bien. C'est à ce moment-là que je regrette d'être mort une fois. Limite, je recommencerai le niveau pour être grand à ce moment-là. Vraiment, t'es censé faire ça comme ça. Même connerie. Hop, même connerie. Hey, il y en a mis combien des plateformes comme ça? Ok, c'est bon, il s'est calmé. Faut jouer. Faut jouer à faire demi-tour aussi. Si je peux te rouler. Il a compris le truc. Tout va bien. Bon, on ne peut pas faire de sous-mural, tout va bien. Pas fini. Ça a l'air de puer le checkpoint. Même pas! Ouh, ça va être trop tard. Il adore les chenilles, si je puis dire, mais c'est pas des chenilles. J'ai plus le nom. On voyait déjà pour la première fois dans Super Mario 64. C'était un boss d'ailleurs. Ok, checkpoint, je n'ai plus peur. Alors à gauche on a rien du tout, à droite on a. Ok, 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 je sais comment passer, y a pas de problème. Ah, on a un champignon. Il nous aime en fait, je comprends mieux. Bien fait comme niveau. En tout cas, le thématique est respecté. Les différentes façons de te faire chier avec les mêmes créatures. J'adore les iris, c'est ce qui a mis le patte. Non mais... Wow, la double à la fin. Et il y a des picots, enfin des stalactites si vous préférez après. C'est super. Et il est déjà vénère. Qu'est-ce que tu... Ah, il faut être en champignon ici, hein, je crois. Ah, je suis même sûr. Hein. J'ai pas regardé quel est le pourcentage de réussite, mais il doit pas être si élevé que ça en fait. C'est moi qui est vraiment nul. Elle a aussi une petite part de vérité. Je suis mauvais. J'étais trop vite. Mais il est déjà vénère l'autre là-haut. Ça qui est chiant. Il est super énervé. Comme moi dans quelques temps. Il est d'avoir bien. J'espère qu'il y a une étoile cachée quelque part. On est en train de faire du saut en hauteur. Attention, elle est à 1m90. Voilà. 1m92. Quel champion. J'aurais pu passer. T'es sérieux?
Enculé! Il m'a mis une saloperie derrière! Et quand on ne sait pas. Et dommage, il a planté à 2 mètres. Pourtant, c'est pas un niveau olympique de mettre de haut. Donc on va faire vraiment dans la dentelle et dans la précision totale. Alors ça, c'est pour vraiment si je suis sûr d'avoir réussi à passer tranquille. Et là, bah, faut de la luck. Rien à péter. Il m'a mis encore. Ça, ouais. Va bien! Il voulait pas sauter, c'était un truc facile. C'est dégueulasse. Putain, j'ai recommencé tout ça. J'aime pas, il y a la pression des stalactites après, c'est dégueulasse. Remboursé. Et long et chiant ce passage. En plus. Bon, c'est très clair, le pourcentage de réussite de ce niveau est très faible. À moins que... Hardcore! Je vais pas faire être grand. Mais là, ce passage, c'était un coup de luck tout à l'heure. Voilà. Mal au cul. On s'en fout des pièces! Malade. Doucement. J'aime bien savoir comment ils ont fait pour me l'énerver l'autre là-bas. Il y a la précision. Non mais c'est compliqué hein. C'est compliqué quand t'as la panique. Je voulais le champignon, mais pas des pièces. Je m'en fous des pièces. Merde. Ouais, c'est la fatigue. Hop. Je vais faire la première coupure maintenant. On se retrouve tout de suite pour la suite de ce niveau. À tout de suite, les gens.